Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce montage. Donc qui est un montage d'e-rig. Je vous dis à tout de suite. Pour réaliser le montage, vous aurez besoin de fluorocarbone, de la marque de votre choix, d'une aiguille à bouillette, d'une bouillette, d'un stop à pas, d'un émerillon de petite taille, du fil pour fixer la bouillette. Ici j'utilise du fil de couture, mais vous pouvez très bien utiliser du fil dentaire ou une tresse très fine. Un ciseau, un hameçon, à vous de déterminer sa taille en fonction de votre hèche, de la colle type glu et un briquet. Commencez par couper environ 30 cm de fluorocarbone. Puis faites une boucle d'environ 6 ou 7 cm de diamètre. Pour la première étape, il faudra faire un premier nœud. Et comme il demande un peu d'entraînement, je vous ai calé un petit ralenti juste après. Coupez l'excédent du fil et brûlez-le. Même si ce n'est pas obligatoire, je vous conseille de mettre un point de colle sur le nœud que vous venez de faire. Ceci afin d'éviter qu'il ne glisse le long de l'hameçon. Enfilez votre émerillon et passez l'extrémité du fil dans l'œillet de l'hameçon. Ajustez le fil et faites un nœud sans nœud. L'étape suivante consiste à fixer la bouillette. Pour cela, j'utilise du fil de couture qui est très résistant. Vous pouvez tout aussi bien utiliser du fil dentaire ou une tresse très fine.
fois la bouillette enfilée, il ne reste plus qu'à la fixer avec le stop à pas, grâce à deux ou trois nœuds simples. Voilà, ce montage est maintenant terminé. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez la possibilité de télécharger mon e-book gratuitement, La carte technique et stratégie gagnante. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la bannière qui vient de s'inscrire sur votre écran. Pour ma part, je vous dis à très vite.